Bonjour à tous, c'est Freeman et aujourd'hui je vais essayer le jeu Pit Fighter, un grand jeu de combat des années 90, sorti sur plusieurs consoles et ordinateurs de l'époque. Pourquoi un grand jeu de combat? Parce que c'est le premier à utiliser des images digitalisées, bien avant Mortal Kombat et NBA Jam, et c'est tout simplement le meilleur de sa catégorie. Bon, allez, je déconne. Donc en fait, c'est une grosse daube, et on va voir ça ensemble. Enfin, en tout cas, d'après sa réputation, quoi. Et j'ai choisi de le faire aussi sur Master System, pour vraiment avoir la pire des versions. Alors, peut-être que j'aurai une bonne surprise, hein. Peut-être que c'est un bon jeu, et puis ce sera bon, quoi. Mais on va voir ça, on va voir ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un catcheur. Ok, donc son pouvoir c'est Body Slam. On va voir ça. Donc je vous conseille de vous reporter au test de Edge, qui est un excellent test de ce jeu, qui vous montrera vraiment tous les défauts du jeu, quoi. Mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, déjà moi ça me plaît mieux, quoi, par rapport à la version Super Nintendo. Au moins c'est pas digitalisé. On a deux boutons, hein, sur Master System. Ah, là on peut faire des coups de pied, pas mal. Donc on a un coup de poing, un coup de pied. Ouais. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gagne? Pas vraiment, là. Ah, je suis en train d'agoniser sur le... Ouais, donc c'est un jeu qui a été développé par Atari. Sorti en 90 en arcade, et puis après sur console et ordinateur. Ils l'ont sorti sur tous les supports, hein. Franchement, c'est la force d'Atari, force marketing de... Par contre, c'est un très très mauvais jeu. Non, je peux pas le frapper à terre, quoi. Mais je peux le tuer, là. Oh putain, j'ai gagné. Ok. Ouais, donc apparemment, d'après Wikipédia, hein, c'est le premier jeu à avoir utilisé des images digitalisées. Comme il est sorti en 90, ça a dû être forcément le premier, mais enfin, en arcade en tout cas. Donc là, on change de décor. C'est un essai, hein, c'est pas un vidéo-test. J'essaie juste ce jeu pour voir de quoi il en retourne. Et visiblement, il a l'air vraiment d'être meilleur que la version Super Nintendo, ce qui est incroyable. On va faire continuer. Ouais. Et en fait, je faisais semblant de m'amuser. Je me souviens que même à l'époque, j'y jouais pour de faux, et je faisais semblant de jouer à Pit Fighter. Je sais pas à quoi ça sert l'argent, parce que j'ai pas pu utiliser la monnaie après le premier combat. Putain, mais... Mais je sais pas comment je fais ces petits coups sautés. Ah ouais, d'accord, c'est avant plus la petite sandwich, on va voir ce que... Pas le... D'accord. Allez, vas-y, crève. Ah ouais, mais là, je vais mourir. Là. Ah, mais il se retourne pas. Putain. Allez, on fait un dernier essai, et puis je vous quitte là-dessus, quoi. Ouais, c'est un jeu que j'avais pas à l'époque, hein. Donc je peux pas vous en parler trop. C'est juste un essai découverte rapide, comme je l'ai fait avec Rise of the Robots.
graphiquement il est pas mauvais. Hein. Enfin, j'ai même l'impression qu'il est plus beau que la version SNES. Allez, allez, allez. Allez, putain. Mais on peut pas. Allez. Je peux pas le taper comme ça, quoi. Au niveau des musiques, c'est le néant. Et comme je connais pas trop la console, je peux pas dire s'il y a eu mieux sur... Enfin, si. S'il y a mieux, il y a Master of Combat. Sur Master System, qui est un bon jeu de combat, par contre. Vraiment un bon jeu de combat. Vraiment très bon, quoi. Ah, il a gagné la ceinture, c'est ça. Ouais, donc si vous cherchez un jeu de combat, essayez Master of Combat. Ou alors peut-être... alors je sais pas si Mortal Kombat est sorti sur Master. Vérifiez. Mais ouais, il y a quand même mieux, il y a quand même mieux. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Donc c'était un essai découverte rapide de Pit Fighter. Donc mes impressions à chaud, c'est quand même qu'il a l'air d'être mieux que la version Super Nintendo. Ça joue plutôt bien, enfin, ça se prend en main très facilement. Graphiquement, bon, il y a... Ça, c'est pas très laid, quoi. Mais bon, enfin, on est au terme de gameplay. C'est pas intéressant, quoi. Bon, c'est pas intéressant. Bon, allez, à plus. Même on me le donne, j'en veux plus, quoi. J'en veux plus de ce jeu. Je n'en veux plus.